Là où a fait l'arrivée, là, je pense qu'il est temps d'allumer la lumière. Boum! Hey! Bonjour les frères et sœurs. Bienvenue sur Nance Reborn. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Bon week-end à tous les frères et sœurs. Et que Dieu vous bénisse. Dans cette vidéo, nous allons parler de maquillage. La femme qui se maquille et tout ça. Mais d'abord, je vais vous faire écouter le message d'un pasteur. En fait, ce que lui pense des maquillages et ce que lui-même il a découvert sur ces choses et ce que ça fait quand un homme découpe la première fois sa femme sans maquillage. Écoutez. Quand on finit de célébrer ce mariage-là, l'homme va avec la femme. D'ailleurs, même souvent, il y a les femmes qui font make-up jusqu'à un vieux baka qui est fatigué. Ils ont peinturé, peinturé, peinturé. Quand le moment maintenant de passer à la phase pratique arrive, on va enlever perruque, enlever maquillage. Quand tout est quitté, tu vois que... Ah, c'est le plus haut stade de première main, deuxième main, troisième main, quatrième main. Mais c'est quelque chose de wallah qu'ils ont habillé. Vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? Écoutez encore. Quand on finit de célébrer ce mariage-là, l'homme va avec la femme. D'ailleurs, même souvent, il y a les femmes qui font make-up jusqu'à un vieux baka qui est fatigué. Ils ont peinturé, peinturé, peinturé. Quand le moment maintenant de passer à la phase pratique arrive, on va enlever perruque, enlever maquillage. Quand tout est quitté, tu vois que... Ah, c'est le plus haut stade de première main, deuxième main, troisième main, quatrième main. Mais c'est quelque chose de wallah qu'ils ont habillé. Quand j'ai entendu ce message, j'ai dit, ah, il dit cela en rigolant. Mais dans la réalité, c'est pas du tout rigolo. C'est pas du tout rigolo. Je vous le dis, je vous assure. Ce n'est pas rigolo. Un homme a découvert pour la première fois sa femme sans maquillage et la déception a été vraiment très grande. C'est comme s'il avait épousé une autre personne. Tchè! Il était vraiment surpris. Il était vraiment surpris. Maintenant, regardez-vous-même à l'écran. Regardez-vous-même à l'écran. Regardez, 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 regardez. Souvent, les gens disent, il n'y a rien en face, c'est maïs. Il n'y a rien en face, c'est maïs. Mais celle-là, c'est quelque chose en face d'eux, et puis c'est pas maïs. Tiens, imaginez vous-même, si vous avez toujours vu votre femme maquillée comme ça, comme ici. Et après le mariage, vous la découvrez sur le visage qu'elle a pas au niveau A, dans la première image. Quelle serait votre réaction? Quelle serait votre réaction? On va dire, c'est comme si tu vous quittais au ciel pour tomber. C'est pourquoi il est important, surtout pour les filles et les femmes d'aujourd'hui, de temps à autre, montrez-nous vos vrais visages. Quel chien! Montrez-nous vos vrais visages en guettant. Tout le monde est en train de nous blaguer les maquillages à gauche, à droite. Qu'est-ce qui va pas avec vous? Le gars, il n'a jamais vu la Gola démaquillée depuis que lui la connaît. Une fille ou une femme que toi, tu n'as jamais vu démaquillée. Bon, attendez, pause. Ah, écoutez, j'étais en train de travailler, puis on m'a appelé. J'ai décroché le téléphone juste quelques minutes, quelques secondes plutôt. Et bon, écoutez, on parlait de quoi même ici? On parlait de maquillage. On parlait de maquillage. La fille d'aujourd'hui, elle se maquille trop. Elle exagère. Même j'ai vu à la télévision une star. Je pense que c'est Kylie Jenner. Oui, c'est son nom. Moi, j'ai vu hein, la vidéo là-bas. Vous pouvez aller chercher, vous allez voir dans la vidéo. C'est comme si quelqu'un lui faisait une surprise. Et ce jour-là, bizarrement, elle n'était pas maquillée. Elle interdit qu'on la montre sans maquillage. Elle interdit qu'on la filme. Parce qu'elle ne voulait pas être vue sans maquillage.
ce qui est normal, il n'y a pas de problème dans ça. Mais pour ce qui concerne l'affaire de Marie, là, pardonnez mes frères et sœurs, s'il vous plaît. Affaire de Marie, vous dites, Jean, toi, chercher, toi, avoir un homme. S'il vous plaît, les femmes, soyez dans la vérité. Maintenant, la vérité, là, ce n'est plus seulement dans les faits, gestes, dans les actions. C'est aujourd'hui dans l'apparence. Dans l'apparence, montrez-nous vos vrais visages là. Montrez-nous vos faces parce que, quand même, c'est ça, on va voir tous les jours. C'est ça, on va voir aussi sur les enfants. Si vous avez un visage qui quitte ici, qui va là-bas, et puis vous nous montrez toujours un visage d'ange. Et comment nous, on va faire le jour qu'on va voir votre visage? Il y a eu beaucoup de divorces comme ça. Il y a eu beaucoup de divorces. Vraiment, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, sciencez un peu. Parce que là où affaire là, ça va, ça devient vraiment très grave. Moi-même qui vous parle, je suis sans maquillage. Regardez mon visage. C'est pas que les garçons ne se maquillent pas. Il y a des garçons qui se maquillent. Maintenant, comme on se maquille, il faut pas les gourdes de parler. Oh! Toi, t'es garçon et puis tu te maquilles. T'es un homme et tu te maquilles, t'es femme ou bien t'es pédé. Hey! Quand vous vous maquillez, nous, on parle pas. Mais quand nous, on se maquille, vous dites que nous, on est pédé par rapport à quoi? Mais je pense qu'un homme, c'est pas. En fait, un homme, c'est indigne de se maquiller. C'est indigne pour un homme de se maquiller. Mais pour ce qui concerne les femmes, les filles d'aujourd'hui, s'il vous plaît, si elles sont pour pardonner, y a qui? Montrez-nous votre face. Montrez-nous votre visage. Montrez-nous qui vous êtes en réalité. Nous voulons voir qui vous êtes. Nous ne voulons pas voir une autre personne que cette personne que nous aimons bien. Si moi, tu me montres ton visage, comme la première image qui est là-bas, et que tous les jours, je vois ça. Mais le jour où je vais te voir comme ça, belle comme ça, extraordinaire comme ça, je vais voir un ange. Je vais t'aimer plus. Je vais t'aimer plus. Est-ce que vous voyez? Mais si tu me montres une image comme ça, comme la deuxième image qui est ici, et que j'ai l'habitude de voir ça, et puis un bon matin, on ne sait pas ce qui te prend, il pleut sur toi, bouh, la pluie enlève toutes tes maquilles, que tu trouves comme dans la première image, je vais dire, ah! Je quitte ce pédé pour aller au CPE ou quoi? Mais oui, c'est ça que la vérité. Moi, je ne pouvais vraiment pas passer. Je ne pouvais vraiment pas voir cela et passer là-dessus. Aujourd'hui, là, c'est clair, vous aimez le maquillage. On ne peut plus rien faire pour vous. Mais, de temps à autre, là, montrez-nous vos vrais visages. Nous, on veut voir. Nous, on veut voir vos vrais visages. Vos vrais visages, là. Nous, on veut voir clair dans ça. Ou pas! En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Là, tout à l'heure, comme vous voyez, on m'a appelé. Hein. On m'a appelé, je vais décrocher, je dois aller quelque part. Mais, j'ai plus le temps de venir vous parler de cela. Quand il y aura des retours là, on va continuer ce qu'on a commencé. Abonnez-vous, activez la cloche, partagez nos vidéos, likez nos vidéos et puis commentez. Chacun a son avis. Mais vraiment, je suis sûr que tous les hommes seront d'accord avec moi. Parce que même s'ils n'ont pas envie de vous le dire, c'est ce qu'ils pensent. Moi, je vous dis ce qu'ils pensent. Souvent là, montrez-nous votre vrai visage. Laissez le vent souffler vos visages un peu. Le vrai visage d'une femme, comme vous voyez dans la première image, ça, c'est la gloire de Dieu. Mais ce que vous voyez dans la deuxième image, ça, c'est artificiel, c'est du fake. Vous voyez, non? C'est du fake. Pourquoi? Parce que quand tu vas mettre un enfant au monde, l'enfant va ressembler au premier visage qui est là-bas. Qu'est-ce qu'on va choisir? Ayez pitié de nous, les sœurs, ayez pitié de nous, les mamans. Vraiment, c'est un problème.